Et bien bonjour à tous, c'est Nixin. Aujourd'hui, on va parler de Haitham. Vu qu'il y a eu son rerun, c'est l'occasion pour moi, comme vous le savez sur cette chaîne, de parler de team atypique. Et ça tombe bien, car je vous en ai sélectionné 3 qui marchent, bien entendu, et aussi qui sont fun à jouer. Merci aux TheoryCrafters de chez Haitham Main, qui m'ont bien aidé pour la vidéo. Et on va voir tout d'abord comment build votre Haitham, ses artefacts, ses armes, comment le jouer. Donc ça reste une vidéo sérieuse, hein, vous en faites pas. Et ensuite, on va voir comment est-ce qu'il s'intègre dans les 3 teams que je vous ai sélectionnés avec les points forts et les points faibles de celle-ci, ainsi que mon avis. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je tiens aussi à préciser que cette vidéo est sponsorisée par moi. Ouais, non, c'est pas une blague. On organise avec Interactif, un ami à moi, un événement sur Twitch pour fêter l'été sur Genshin Impact. Plus d'infos en fin de vidéo avec la bande-annonce. Alors, restez jusqu'au bout. Pour commencer, il faut savoir qu'Haitham est un main DPS d'Andrew Onfield et épéiste à une main qui va avoir pas mal de mécaniques à connaître pour maximiser son DPS et ses rotations via son système de miroir. On va vite voir comment ça fonctionne. En premier, on a l'attaque normale qui va être le cœur du gameplay de Haitham. Le moveset est plutôt satisfaisant à faire et ses multiplicateurs sont assez décents. Mais le problème, c'est que ça va scale en fonction de son attaque et ça, on va pas vraiment en avoir besoin. Bref, ça a son importance dans le kit, mais si on ne veut pas parler des dégâts bruts de ses auto-attaques, eh ben, on s'en fiche. Ce qui va nous intéresser ici, c'est bien évidemment sa compétence élémentaire. Donc, pour l'utiliser, c'est très simple. C'est quasiment, voire même exactement, le même fonctionnement de celle de Gatching. Un appui simple, et Haitham va se TP sur les ennemis les plus proches de lui en infligeant à l'impact des dégâts d'Endro, et son appui long lui va permettre de viser là où vous voulez vous TP. La compétence, elle scale en fonction de l'attaque de Haitham, mais surtout de sa maîtrise élémentaire. Évidemment, ce n'est pas que ça, hein, car en effet, je vous ai parlé de miroir au début de la vidéo. Et bien, après avoir activé sa compétence, Haitham se voit attribuer ses fameux miroirs. 2 si vous n'en avez aucun avant le déclenchement de la compétence, et si vous en aviez déjà un, elle lui en procurera qu'un seul. Les miroirs vont tout d'abord servir à infuser les auto-attaques de Haitham en Dendro, et surtout de créer des attaques simultanées qu'on va appeler des attaques de rayonnement, du coup toutes les 1,6 secondes, et qui vont infliger des dégâts d'Endro de zone selon la quantité de miroirs que vous avez lors du combat. Vous pouvez cumuler jusqu'à 3 miroirs, et un miroir s'en va au bout de 4 secondes. Quel est l'intérêt d'en avoir 3 si déjà avec un j'ai l'infusion d'Endro et les attaques de rayonnement? Eh bien tout simplement parce que plus vous avez de miroirs, plus les dégâts des attaques de rayonnement vont faire mal. Ici par exemple, au niveau 10 de la compétence, avec un miroir, vous avez la formule classique, du coup de 121% d'attaque plus 241,9% de maîtrise élémentaire. Mais avec deux miroirs, vous allez faire deux attaques de rayonnement, donc toute la formule x2. Et quand vous avez trois miroirs, tout ça x3. Donc là, le but, c'est vraiment de choper les trois miroirs et surtout de les garder le plus longtemps possible sur le terrain. Et aussi, attention, mais si vous switchez de personnage, Haitham va perdre tous ses miroirs, et vu que la compétence a un temps de recharge de 18 secondes, il faut faire attention à ne pas se retrouver sans miroir trop longtemps quand vous êtes sur Haitham. Et enfin, on a son déchaînement élémentaire qui va infliger des dégâts d'Endro par slash, comme l'ulti de Catching, et le nombre de slash d'Endro de votre ulti va dépendre du nombre de miroirs que vous avez sur Haitham au moment où vous le déclenchez. Donc par exemple, 4 slash pour 0 miroir, 6 pour 1, 8 pour 2 et 10 pour 3 miroirs. Alors il y a aussi un petit twist, et c'est assez important. Si vous faites l'ulti avec 0 miroir, à la fin de celui-ci, il va vous en générer 3. Et si vous avez déjà 3 par contre, vous allez certes faire plus de slash, donc plus de DPS avec l'ulti, mais vous allez perdre votre miroir et donc votre infusion. C'est à double tranchant. Bref, la chose à vraiment savoir ici, c'est que dans une rotation, on va privilégier un ulti à 0 miroir pour en avoir 3 juste après et enchaîner sur ses auto-attaques et les garder le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, petite mécanique de gameplay que je pense vous connaissez tous maintenant, c'est que quand vous faites votre ulti avec 0 miroir, vous pouvez très bien passer sur un autre personnage, faire sa compétence et repasser ensuite sur Haitham, et vous aurez normalement vos 3 miroirs. Bien maintenant, on va passer à ses aptitudes passives. La première est super importante pour ses rotations, je m'explique. Quand vous faites une attaque conjointe ou chargée qui va toucher un ennemi, vous allez recevoir un miroir, et cet effet peut être déclenché toutes les 12 secondes. C'est ce qu'on peut faire par exemple avec son E en appui long. On la lance en l'air et ensuite on fait une attaque urgente, donc on aura 2 plus 1 miroir cumulé et vous ferez un max de damage. Et son deuxième passif va booster les dégâts de son ulti en fonction de sa maîtrise élémentaire, jusqu'à hauteur de 100% à 1000 points de maîtrise élémentaire. Ok, maintenant on a vu le théorique sur Haitham, comment le build?
Du coup, on va commencer par ses armes. Tout d'abord, il faut savoir que Aetam a beaucoup d'options 4 étoiles sympas. Donc, paniquez pas si vous n'avez pas d'armes 5 étoiles. Évidemment, son best in slot, c'est son arme signature, la lumière d'incision foliaire, mais pas de beaucoup comparé aux autres armes. Elle va donner du dégât crit, du taux crit en passif et un boost de dégâts élémentaires en fonction de sa maîtrise. Ensuite, on a le coupleur de jade, excellente arme sur à peu près tous les épéistes main DPS. Elle donne 44 d'autocritique au niveau 90, c'est énorme. Et après viennent le reflet de tranche brume et la lune ondulante de Futsu, donc l'arme signature de Hayato. Donc voici le haut du panier pour les armes top tier que vous pouvez avoir sur Aetam. On peut voir que ce sont toutes des armes critiques et 5 stars. Mais il peut très bien porter l'arme free-to-play cœur de fer. Pour les joueurs ayant fait l'event, vous avez aussi le parapluie. Et pour les anciens joueurs, il y a le croc suppurant en raffinement 5 qui peut être aussi sympathique à mettre sur votre Aetam. Si jamais vous n'avez aucune des armes que j'ai dit précédemment. Non, bien évidemment, une arme un peu passe-partout en 4 étoiles, c'est l'épée noire, donc l'épée du Battle Pass, qui est très bien. Et puis de toute façon, je vous mets une tier list. Mais franchement, vous cassez pas la tête. Si vous n'avez aucune des armes 5 étoiles ici, prenez la piqueur de fer. C'est un très bon investissement, que ce soit pour Aetam ou pour d'autres personnages. Ok, alors maintenant, vu qu'on a vu les armes sur Aetam, on va voir les artefacts. Ici, je vous conseille de le build en 4 pièces vertes chasseuses pour la baisse de résistance d'Endro et le boost de dégâts d'Endro. Ou alors, le 4 pièces rêve doré qui lui va booster sa maîtrise en fonction des réactions élémentaires qu'il fait et le type élémentaire des personnages de votre équipe. Perso, je préfère celui-ci car vous allez voir, ici à Aetam, dans les 3 teams que je vais vous proposer, va être essentiellement là en tant que driver d'Endro et non comme un main DPS. Donc, le 4 pièces souvenir de forêt me paraît un peu too much, sachant aussi qu'il peut potentiellement déjà être porté par un autre personnage de votre équipe. Donc, si vous voulez vraiment faire des dégâts et que vous n'avez pas d'autres porteurs dans la team, prenez le 4 pièces meneur de forêt, et sinon, pour une question de polyvalence, prenez le 4 pièces rêve doré. Et si jamais vous avez la flemme de farmer un set complet ou vous n'arrivez pas à farmer un set complet, il est toujours possible de le jouer en 2x2 pièces maîtrise élémentaire, ça marche très bien aussi. Alors main stat, qu'est-ce qu'on va privilégier pour un Aetam? Pour le sablier, ça va être de la maîtrise élémentaire. Il n'y a pas de débat, c'est la meilleure main stat. Ensuite, un bonus de dégâts d'Endro ou de maîtrise élémentaire pour la coupe, sachant que la coupe EM va être intéressante pour les multiplicateurs des attaques de rayonnement et de son ulti. Et enfin, un casque critique, donc taux crit, dégâts crit, ça dépend de vos substats finales. Et pour ce qui est des substats, ici, ça va être principalement du taux critique, du dégâts crit, de la maîtrise élémentaire et de la recharge d'énergie. Parce qu'il faut savoir que son ulti coûte 70. Il est important dans les rotations, donc tenez-en compte. Du coup, il va falloir être entre 140 et 150 de recharge d'énergie pour être le plus optimal. Et enfin, aussi un petit peu d'attaque. Mais bon, priorisez les stats que j'ai dit précédemment avant celle-ci. Ok, alors maintenant, on va passer aux constellations de l'Aetam. Je vous le dis franchement, Aetam est pour moi le meilleur main DPS en C0 qui existe pour le moment. Ces constellations sont bien, mais pas game changer comparé à par exemple une Utao C0 qui est déjà porte, hein, mais qui révèle vraiment tout son potentiel en C1 plus bâton de Homa. Pareil pour Aiden avec sa C2. Bref, il n'a clairement pas besoin de ces constellations pour performer au mieux. Après, elles sont quand même intéressantes, donc on va les voir. Sa C1 va permettre de baisser le cooldown de sa compétence quand vous faites des attaques de rayonnement. Donc en vrai, c'est sympa, car 18 secondes, bon, c'est un peu abusé. La C2, c'est simple. Dès que vous allez générer un miroir, vous allez gagner 50 points de maîtrise élémentaire jusqu'à 200. Donc 4 stacks maximum. C'est donc un bon buff pour ces teams classiques de type suractivation et hyper bloom. Ensuite, on a la C4. La C4 va créer des buffs en fonction des miroirs utilisés par l'outil de Aetam. Donc il va falloir changer de rotation principalement par rapport à la classique en C0. Et la C6, elle marche avec la C4 et en gros juste après un ulti. Et ça, peu importe le nombre de miroirs que vous avez, 2 secondes après le déclenchement de votre ulti, vous allez gagner 3 miroirs. Donc là, vraiment, ça se voit que les deux constellations sont intrinsèquement liées et se complètent. Et aussi, du coup, un petit bonus, si jamais vous avez stacké 4 ou plus de miroirs sur vous, vous allez recevoir un buff de 10% de taux critique et 70% de dégâts crit pendant 6 secondes. Et du coup, c'est complètement pété. Au niveau des aptitudes à privilégier, maintenant, on a d'abord sa compétence élémentaire. C'est là la source principale de DPS pour un Aetam, non C6. Et ensuite, on a son ulti et enfin son auto-attaque. Pour référence, voici mon build. Mon Aetam ici est en lumière d'incision foliaire, avec en artefact un 4 pièces rêve doré, et il a 308 de maîtrise élémentaire, 1300 d'attaque et un ratio TCDC de 60-250. Et vu qu'il éveille en dégâts d'Endro, il est actuellement à 75,4.
Et alors maintenant qu'on a vu comment build votre scribe préféré, on va passer sur le showcase des trois teams. Et on va commencer sans plus tarder avec la team Bloom. Alors ici, Aetam va servir de driver d'Andro on-field pour créer des super graines de Nilou en apportant des dégâts personnels. La composition tourne du coup autour de Nilou et de l'Aetam et varie pour les autres personnages. Vous pouvez mettre en troisième slot par exemple un Xingqiu, une Yelan, un voyageur d'Andro, une Aida aussi, même si elle va pas complètement tirer son épingle du jeu ici, car Aetam est déjà en on-field et applique très bien le d'Andro. Et pour le soin, c'est quasiment obligatoire dans cette team. Si vous voulez pas mourir de vos propres blooms, vous pouvez mettre une Kokomi qui joue, je trouve, est top tier pour cette team, ou alors une Yao Yao, un Baishu qui va faire aussi un très bon taf et qui va pas trop voler l'application d'Andro de Aetam. Et sinon, vous pouvez aussi mettre Barbara si jamais vous n'avez pas d'autres personnages healer. Et en dernier, possiblement, on peut mettre aussi une Kirara qui, elle, va donner un plutôt bon shield. Je conseille de lui faire porter l'épée rituelle pour faire deux fois sa compétence et pouvoir stacker ses boucliers. Et du coup, il est possible de mettre un 4 pièces rêve doré sur le healer. Il n'est pas déjà porté par votre Aetam. Comme ça, si jamais il y a une bonne application d'éléments avec sa compétence élémentaire, je pense notamment à Kokomi, elle peut être jouée avec le set en full EM, full PV et full recharge d'énergie. Si c'est elle qui déclenchera les blooms, elle va faire de très gros dégâts. Ici, l'intérêt d'apporter un Xingqiu ou Yelan, ça sera pour compléter le DPS mono cible, ce qui va rendre la team plutôt versatile pour la plupart des situations de combat. En soi, la team marche plutôt bien. Après, ici, il y a de meilleurs personnages que Aetam pour cette team en on-field, comme par exemple du coup Naida, mais je pense que c'est l'équipe qui marche le mieux dans la liste, car combo Nilou plus Dendro, ce sera toujours broken. Juste attention à l'avis de votre Aetam sur le terrain, et surtout de remplacer votre coupe Dendro par de la maîtrise élémentaire. Car ici, ce n'est pas Aetam qui va faire le plus gros des dégâts, mais bien les blooms qu'il va créer. Du coup, on va dire que son rôle ici, c'est vraiment de remplacer votre Naida, et c'est un peu comme si c'était une Naida sous stéroïde en fait. Ok, alors maintenant, on va voir une autre team plutôt sympathique, c'est la Hyper Bordion. Le but va être d'appliquer le plus d'éléments possible pour faire le plus de réactions. Ici, on pourra faire en même temps de l'exubérance, de la simulation, des blooms, des Bordion, des surcharges, de l'électrocution, bref. Même si c'est une team qui ne performe pas aussi bien que Team Bloom, c'est toujours satisfaisant de voir plein de couleurs sur son écran. Alors j'ai dit Hyper Bordion pour deux choses. Déjà Hyper Bloom pour exubérance plus bourgeon, mais aussi pour Hyper Carry, car on va le voir, vous pouvez mettre votre Bennett pour booster son attaque et faire des dégâts massifs, même avec une team assez atypique. Donc maintenant on va voir sa composition de team et ses variantes. Vous allez avoir un Dendro, donc Aetam, un Hydro, un Pyro et un Electro. En Hydro, vous pourrez prendre un Xingqiu pour sa résistance à l'interruption, son application Hydro et son petit soin. Yelan pour un DPS plus prononcé que Xingqiu et une Kokomi pour le soin. Ensuite, en saut de Pyro, vous pourrez mettre soit un Thomas en full maîtrise élémentaire et recharge d'énergie. C'est très important parce que si on n'avait pas d'ulti, vous ne pouvez rien faire. Donc je vous conseille de lui mettre une lance de Favonus pour avoisiner les 200 de recharge. Et si vous estimez que vous en avez assez, vous pouvez lui mettre le Fléau du Dragon, excellente arme pour Thomas Virgin. Voilà, sinon en notre Pyro, on pourra mettre un Bennett pour booster et soigner toute l'équipe. Et enfin, pour le personnage électro, vous avez le choix entre Kuki Shinobu pour son soin et son build en full maîtrise élémentaire pour les Hyper Bloom, que ce soit en 2x2 pièces maîtrise élémentaire ou en 4 pièces paradis perdu. Et sinon, pour plus de DPS, vous pouvez mettre Raiden, elle aussi en full maîtrise élémentaire et recharge, si vous l'avez en 4 pièces en PM, histoire de faire quand même des dégâts d'exubérance. On peut aussi mettre une Yamiko pour son gros DPS en off-field, à build aussi avec un 4 pièces rêve doré par exemple, une Lissa en support, ou même si jamais vous avez envie, une Dory pour le soin ou l'application électro. Comme on peut le voir, on a un large panel de choix pour cette team et qui a donc résultat d'éclair time assez décent, bien qu'en étage 12 ça a beaucoup de mal. On reste quand même sur un team peu conventionnel, hein, mais comme je l'ai dit, est plutôt plaisant à jouer. Alors attention à votre recharge d'énergie en général, car on voudra les ultis de quasiment tout le monde. Alors du coup, Raiden peut aider pour la recharge, Bennett est autosuffisant comparé à Thomas, et les personnages Hydro aussi. Alors au niveau des rotations, vous allez setup vos buffs et vos debuffs avant de passer sur Aetam. Par exemple, avec cette team, vous allez faire l'ulti de Xingqiu, car elle dure plus longtemps, passer sur Thomas, ulti,
cookies, compétences. Et à noter ici que la C2 augmente de 3 secondes la durée de l'anneau, donc c'est très utile. Et ensuite, sur l'Aetam, ulti, puis auto-attaque et compétences. Bref, vous connaissez. En soi, la team performe bien, que ce soit en mono ou en multi-cible, avec l'éventail de toutes les réactions produites. Ça n'a vraiment aucun sens, et ça, j'adore. Et enfin, on va passer à la dernière team, et c'est la Aletam Hyper Fridge. Ici, le but va être de geler les ennemis et d'infliger de gros dégâts de suractivation avec Aletam. Elle est composée d'un hydro, un applicateur cryo off-field et un applicateur électro off-field aussi. Ici, on apportera un Shinshu ou une Yelan, une Kokomi, une Mona, même un Hayato, ça peut marcher pour l'application hydro. Et en cryo, je vous conseille vraiment une Rosalia ou un Kaya. Vous pouvez aussi prendre une Ganyu en support qui va lâcher son ulti. D'ailleurs, si vous voulez voir comment la build en support, j'ai fait tout un guide sur elle qui est à jour, donc n'hésitez pas à le checker. Et ensuite, en électro, une Poppy Shinobu sera évidemment la meilleure option avec Raiden. La team ici, je ne vais pas vous le cacher, c'est la moins bonne des trois, mais elle reste quand même utilisable. Son gros défaut, c'est que certes, elle permet de geler les ennemis comme une team gel classique, mais sans Anemo, on ne peut pas packer les ennemis, donc il faut courir partout en abysse dans la salle. Elle reste néanmoins très forte en open world, il n'y a pas de souci. Les rotations, j'ai aussi un petit peu du mal perso. Je pense que c'est aussi un souci de combo de personnages, car j'ai fait mes tests avec Ganyu, une Cookie C0, donc pas C2, une Yelan qui a un ulti qui dure moins longtemps que celui d'un Shinshu, donc voilà, et aussi un Lightam qui les joue en on-field, il prend beaucoup de temps de terrain. Et ça, il faut le prendre en compte. Donc, je n'ai pas vraiment plus de choses à rajouter sur cette team pour le coup. Je pense que le plus parlant pour vous, ça sera de l'essayer pour la juger. Ok, alors en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, Aetam est un personnage d'Endro, donc il a forcément accès à toutes les réactions de l'élément. Il fonctionne en tant qu'applicateur d'Endro on-field pour ses teams, mais ce n'est pas lui qui va faire le DPS des équipes, mais plutôt les réactions qu'il va engendrer. Donc toutes les teams restent viables. Après, on n'est pas ici vraiment pour parler de pure méta dans cette vidéo, mais essayer de tirer parti au mieux des compétences de chacun des personnages et dans des builds atypiques. Voilà, et du coup, ça reste quand même sympa. Mention spéciale quand même à la team Hyperbargeon, qui est vachement cool à jouer. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à partager et commenter la vidéo. À 20h pour le Genshin Fest, je vous laisse la bande annonce. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Nixin. Ciao. Un petit ubu. J'ai mis mes petites lunettes. Harmony Eldol, Vuelta, El Polo 88 et Goddess Akane s'affronteront mercredi 28 juin dans le Genshin Fest. L'événement sera diffusé en direct à 20h sur les lives de chaque streamer et de l'organisateur interactif. Retrouvez-nous sur Twitch la semaine prochaine pour fêter avec nous le Genshin Fest.